J'ai rencontré l'homme de ma vie. Dans la rue. Raconte. Je rentrais de l'école et je traînais Boubou, qui trépignait et séjourait comme un voyou. Au milieu de la rue, il me fait un caprice et jette son cartable dans les immondices. Me voilà, genoux cernés par les vélos, recherchant les cahiers, les crayons, les stylos. Répandu ça et là, lorsqu'une voix aimable me fait lever les yeux vers un type adorable, comme un souffle grisant sa voix à mon oreille. Chante, fredonne et joue comme un envol d'abeilles. Je croise son regard et son regard me toise. Je suis émerveillée, puis je reste pantoise. Moi comme je les aime, un air intelligent, un sourire incertain, quelques mèches d'argent, dans une chevelure de pâtre ou de poète. Un concerto sublime éclate dans ma tête. Ensorcelés tous deux par un enchantement, Boubou attend toujours auto vélo des filles. Et le temps lentement perpétue une autre idylle. Mais il me faut partir et mon cœur s'y résigne, car mon bel inconnu de départ donne le signe. Il se lève et sa voix émue me dit en face: votre combinaison, le saviez vous dépasse. Ce fut tout. Est-il près? Est-il loin? Est-il à Rochefort? Je le retrouverai, car je sais qu'il existe. Bien plus que la raison, le cœur est le plus fort. À son ordre, à sa loi, personne ne résiste. Et je...